Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lisa ce livre. Alors, cette semaine, puisque la plupart du temps maintenant je fais une vidéo par semaine, c'est un autre appel à lecture commune. Alors, j'en avais lancé un en septembre pour Carl Nina, un chemin. Là, je vous propose un inédit qui va sortir en février, un parpaing. C'est une pavasse. Hein. Il fait 630 pages, je vous le dis d'entrée de jeu. Vous allez avoir de ce jour jusqu'au 7 décembre pour m'envoyer un petit mot par mail. Les coordonnées sont dans la barre d'infos pour pouvoir faire acte de candidature pour cette lecture commune qui va commencer début janvier. Alors, les modalités, plus ou moins, je vais vous expliquer après de quoi ça parle, sans vous en dévoiler trop parce que les personnes qui m'ont répondu auront un espèce de petit résumé, qui sont intéressées auront un petit résumé ou en tous les cas quelques indices de plus pour qu'elles se décident. Il y a 4 places, pas plus parce que c'est un peu compliqué après pour une lecture commune. J'ai trouvé le principe de la lecture commune très agréable à faire, notamment au niveau de Carl et Nina, parce que les personnes qui lisent, qui est en train de lire là, m'ont posé pas mal de questions et c'était très agréable de répondre aux questions, des interrogations, de les aiguiller, sans les aiguiller parce que quelquefois elles ne trouvaient pas, elles se demandaient pourquoi, où j'allais, etc. Et je me suis dit que ce serait très sympa pour le prochain, qui est quand même assez dense. Alors, pas dense dans le sens prise de tête, mais qui est quand même, c'est 630 pages, hein, donc il y a de quoi s'occuper, hein, je vous assure. Alors, la couverture est faite. Je ne peux pas vous la montrer. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je mettrai en incruste avant la vidéo. Non, après. Après la vidéo, je ne vous mettrai pas la couverture. Je vous mettrai une image qui est dans la couverture. À mon avis, ça va vous expliquer à peu près. De toute façon, je vais vous dire où ça se passe. Alors, vous allez comprendre. Mais voilà. Je ne peux pas vous la montrer. Ah là, là, là. Là. Hop là. Personne n'a rien vu. Elle a été faite par Brahim Errant, hein, le graphiste avec qui je travaille. Validée par Fanny Quéron, comme d'hab. Hein. On est tombé d'accord. Validé aussi par Meg, ma bêta lectrice qui a lu La Pavasse et qui a trouvé ça très bien, qui est auteur, hein, vous pouvez la retrouver sur internet et sur la chaîne de YouTube Les Indés ce livre, puisqu'elle fait des vidéos où on apparaît, y compris Bibi, voilà, et qui est auteur aussi puisqu'elle a fait un livre qui s'appelle Les Épureurs. Et là, on est sur ce livre-là. Alors, vous avez vu en tête, ça s'appelle Dreux. Alors, le livre s'appelle pas Dreux, hein, ni Greux. C'est les initiales de la bête. Je ne peux pas vous dire. Voilà. Quoique, avec le truc à la fin, vous allez peut-être comprendre ce que ça veut dire. Bon, bref. Alors, ça, c'est un roman. Il faut que j'explique quand même. Ceux qui vous sont intéressés. C'est un roman d'anticipation et un roman historique. Funaise, là, je suis en train d'en perdre 12. Parce que ça se passe à deux périodes alors, qui s'entremêlent. Là, j'en perds 15. On est entre 2033 et 1933, ou l'inverse, si vous voulez. Mais vous voyez, c'est interchangeable. Donc, c'est un roman d'anticipation, puisque 2033, et c'est un roman historique, parce que 1933. Alors, non, on n'est pas à Berlin. Il y en a certains qui se sont dit, ah, non, non. Nous sommes à Moscou. Oui, je fais dans les dictatures. Sympa. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sans en dévoiler trop? On est dans un monde en 2033 qui est partagé, scindé, un peu dans une espèce de guerre froide, sans être une guerre froide. Ça peut être aussi assimilé à anticipation et on va dire dystopie, si vous voulez, dans le sens où ils ont la possibilité en 2033 de revenir dans le temps.
d'envoyer des personnes ou de positionner des agents à travers les siècles pour plus ou moins, pas influencer, mais voilà. Les deux entités vont lancer une opération, une mission, pas conjointe, hein, c'est trop simple, en 1933 à Moscou. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, pas plus, parce qu'en fait, si je vous en dis plus, voilà. Je peux vous dire que il y a des personnages qui sont bien campés. Il y en a un qui a beaucoup plu à Meg. Je fais un clin d'œil parce qu'elle aime bien, moi aussi. L'un des personnages masculins orne mon pied en tatouage, ce qui vous prouve la valeur du garçon et tout l'admiration et l'attirance et le que je peux avoir pour le personnage. Ouais. Oui, alors ceux qui veulent savoir pour mon pied, ben, les personnages que j'ai mis, c'est simple. Il y a Dimitri, Karl, Noah, Yann, donc le prochain, et celui de 2022. De l'autre côté, il y a Andrew, qui est de noble semaine en famille, et suivant. Je ne peux pas vous dire. Voilà, donc son personnage est un personnage que je trouve fort beau. Voilà, ça se passe sur 630 pages, comme je le disais. Je sais, pour avoir eu des retours, que c'est assez bien dosé, qu'il y a ce qu'il faut de tout pour faire un monde, on va dire. Donc, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Il y a même une pointe de romantisme. Donc, c'est vraiment alors, sucre glace, hein, dessus. Enfin, ne commencez pas à avoir des petites paillettes et des machins. Mais vous seriez surpris de ce que je peux faire. Bon, il y a des moments très sombres. Hein. C'est 1933 en Moscou. Hein. Donc, n'allez pas croire non plus qu'on est sur les chars folklore. Hein. Voilà. Donc, mais je suis très fière de la bébête. Ça se voit à ma tronche. Je suis fière de la bête. Donc, je vous propose une lecture commune qui commencera donc en janvier, qui se terminera fin janvier. Donc, en gros, il faut vous taper 150 pages par semaine. Vous aurez la bande-son. Il va arriver, si vous êtes intéressé, il arrivera vraisemblablement entre le 15 et le 20 décembre. Attention, en e-book, version PDF, e-pub, mobile, ce que vous voulez sur liseuse. Donc, si vous ne voulez pas le lire autrement que sur liseuse, je suis désolée. Le seul truc, c'est que les personnes qui l'auront lu en avant-première auront la version papier dès qu'elle sera en ligne. Donc, vers la mi-janvier, vous recevrez la version papier. Donc, en gros, peut-être que vous aurez la possibilité de terminer le livre sur la version papier. Mais en tous les cas, les personnes qui auront participé à la lecture commune auront un exemplaire papier. Ça, c'est. Et je pense que je ferai même. Je vous l'enverrai même dédicacé, carrément. Donc, voilà. Donc, peut-être qu'il arrivera peut-être que vers la fin de janvier. Mais en tous les cas, avant la sortie, vous aurez la version papier. Vous aurez, comme d'habitude, la bande-son. Vous aurez pas mal de petites choses en documentation dans un drive que je vous partagerai. Des documents d'appui pour que visuellement, vous ayez les images que moi, j'avais dans la tête, en tous les cas, quand j'ai écrit certaines scènes. Il y a des petits détails que je vous donnerai, que je distillerai avant. Vous aurez la primeur du communiqué de presse, évidemment. Et puis, bah, tout au long de la lecture commune, vous aurez, comme pour celle de Carlina, la possibilité de me demander des renseignements ou me dire, ah, bah, je ne comprends pas ça, est-ce que tu peux m'expliquer? Ou, oh, je visualise la scène, mais est-ce que toi, tu as une image sur cette scène-là, etc. Sachant que la couverture illustre assez bien l'ambiance du roman et alors, pas si l'histoire aussi, si vous faites attention aux détails. Mais je pense que vous comprendrez la enfin, vous y verrez plus clair sur la couverture quand vous aurez commencé le roman, je pense. Moi, connaissant le roman sur le bout des doigts, quand je vois la couverture là qui est en face à moi, elle résume fort bien, en tous les cas, l'ambiance et le déroulé de l'histoire. Elle ne vous dit pas la fin, ça c'est sûr et certain. Je mets au défi quiconque de savoir la fin. Mais voilà.
Donc, ouais, le jeu, c'est savoir si, si vous faites la lecture commune, vous me direz à un moment donné, au milieu du roman, si vous savez quelle est la fin du roman, pour voir s'il y en a certains qui devinent. Donc, voilà, vous avez à partir d'aujourd'hui jusqu'au 7 décembre 20 minuit pour vous déclarer. J'en retiendrai 4 je vous enverrai la semaine suivante la version électronique que vous désirez, puisque en fait je peux les faire toutes. Hein. Donc si ce n'est pas Mobi, si ce n'est pas EPUB, si ce n'est pas PDF, que c'est un autre système que je peux faire parce que j'ai le logiciel Calibre, je peux vous faire une version électronique de votre choix en gros. Donc voilà, vous aurez donc la primeur du roman, la primeur de la couverture. Voilà, donc ce serait sympa de faire ça avec moi. Là, il n'y a pas de restriction de période, etc. Parce que je pense que même si vous n'aimez pas l'URSS de Staline, ça peut être assez sympa de faire ça. Le seul truc, c'est de savoir lire des pavasses, hein, parce que 630 pages sur un mois, voilà, il ne faut pas non plus que vous ayez un problème de panne de lecture. Même si vous avez une panne de lecture, on s'arrangera, on vous fera des résumés. Je vous expliquerai ce qui se passe. Donc voilà. Écoutez, si ça vous intéresse une lecture commune, allez-y. Moi, je serais ravie de le faire avec vous. Ça va être très drôle. En tous les cas, nous, on s'est bien amusé pendant Carlemina, pendant les Zooms. Alors oui, il y aura une fois par semaine ou des fois peut-être une fois tous les 15 jours. Ça dépendra de votre disponibilité. Une soirée, on va dire une demi-heure, 40 minutes de Zoom, où là vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez, style allez-y, lancez, je vous réponds. Tout simplement une seule personne qui me dira ah, ben moi je voudrais bien te voir parce que je voudrais discuter de ça, etc. Mais par contre, ouais, on essayera de faire au moins la première réunion pour se voir toutes les personnes qui sont les 5, donc nous, moi et vous 4. Et une fois par semaine, voire une fois tous les 10 jours, 15 jours, pour faire vraiment un point. Parce que 630 pages, quand même, ça se lit. Et il y aura un dernier Zoom où le dernier quart d'heure sera vraiment enregistré, où là, vous aurez libre cours pour me dire ce que vous avez aimé, pas aimé, etc. Je ferai un montage de la vidéo de ce quart d'heure que je vous enverrai par WeTransfer et vous pourrez me dire si ça vous convient ou non. Si vous avez décidé de me dire, oh ben non, finalement, je ne veux pas que mon intervention soit là, ou oh, tu peux pas bogomer ça parce que je ne veux pas, etc. Je m'en arrangerai, sachant qu'elle sera publiée après la sortie sur la chaîne YouTube. Donc, il faudra me donner autorisation de vous filmer. Si vous ne voulez pas, vous pourrez avoir un avatar pendant qu'on filme avec votre nom, votre pseudo et un avatar, ce que vous voulez. La tête de la citrouille, là, c'est très très bien. Voilà. Ou alors le petit bonhomme, hein, on sera en janvier, donc ce sera l'épiphanie. Vous pourrez me mettre une crêpe, un gâteau des rois, le santon. Voilà. Donc, écoutez, si ça vous intéresse, allez-y. Alors, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit que j'avais une coupe affreuse. Alors, les coiffeurs sont fermés, ça ne se voit pas. Parce que là, vous voyez, j'ai attaché la bête. Parce que là, je commence à avoir des cheveux, un espèce de carré plongeant qui sert à. Voilà. Voilà. En ce moment, je ne peux plus hein, les discipliner, c'est fini. Voilà. J'ai abandonné l'idée de discipliner les bêtes. Que voulez-vous? C'est comme ça. Bon, allez, je vous laisse. Réfléchissez bien, inscrivez-vous. Le mail est dans la barre d'infos. Et puis, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je vous réponds. Et puis, si ça vous intéresse vraiment, vous avez en gros presque 2 semaines, 3 semaines pour vous inscrire. Donc, ça va, je vous laisse la marge. Et puis, ça vous permet d'aller voir un peu ce que je fais, ce que j'ai écrit, les commentaires qu'on peut faire sur mes bouquins pour voir que je ne suis pas un auteur si mauvais que ça et que je suis intéressante. Tu viens de m'envoyer des fleurs, là. Ouais. Ça s'améliore pas, en fait. Je crois qu'il faudrait que j'arrête. Au revoir, à bientôt.